Bienvenue, Karma et Violette. Alors, vous allez écrire toutes les deux votre premier article pour la scène ? Je suis enchantée. S'ils sont bons, alors peut-être que je pourrai vous solliciter par la suite. Karma, je voudrais que tu interviewes Jet Dawson sur son stage en Asie, si ça ne te dérange pas. Yes, je suis certaine que Jet et moi, ça va le faire. Et j'arriverai à lui faire dire si elle a vraiment un date avec cette immense pop star. Oh. Mm-hmm. Et Violette, toi, tu vas couvrir toute l'histoire du blason de Rainbow Eye. Cool. Et le blason, c'est... quoi ? D'où vient le choix de ce blason ? Quel est son symbole ? En somme, tu veux toute son histoire. Yeah. Je sais que tu peux rendre ça passionnant. Wow, Miss Bright, c'est le blason de l'école que vous portez. Vous l'avez eu quand ? Ce blason, il se gagne. On doit le mériter. Ok, mais on me demande d'écrire un article pour la scène sur ce blason. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que vous pourriez me dire ? C'est mieux de chercher les réponses par vous-même. Puis-je vous recommander de consulter les archives de Rainbow Eye ? On a des archives ? Ça sonne vieux et je crois que c'est ce qu'il me faut. Où est-ce que c'est ? On dit qu'il se cache bien en vue, mais que seul celui qui la cherche trouvera la lumière et la saisira. Vous n'auriez pas des détails plus détaillés ? Ou alors un plan ? Les élèves de Rainbow Eye ont tous reçu un plan pour leur indiquer le point de départ. Mais être prêt pour le voyage, voilà ce qui est de loin le plus important. Et là, elle est sortie sans ajouter un seul mot. Trop étrange, trop cryptique. J'ai aucune idée de ce que je suis supposée écrire à propos de ce truc. Où je vais trouver ce plan que chaque élève de Rainbow Eye a pour le guider ? Attends une seconde. Si je me souviens bien, le règlement de Rainbow Eye contient un plan et il est... ici. Alors, les archives... Mais il n'y a pas marqué archives. Miss Bright a dit que le point de départ était indiqué. C'est peut-être près de la licorne, là où c'est écrit « commencer ici ». Oh, il y a aussi un dessin d'arc-en-ciel. Joli. Oh, je peux venir avec toi, s'il te plaît. On sera comme dans un film d'aventure. Oui, bien sûr. Deux amis dans... Les deux amis et la plus grande quête du monde. Ouais. Aucun bouton, pas de trappe secrète, ni aucun indice. Sunny, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Il y a toujours plus à voir que ce que tes yeux peuvent voir. Oh, j'ai toujours rêvé de m'accrocher comme ça là-haut. Daphné, hey ! Tu t'y connais en pierres précieuses et genre de trucs, non ? Un peu. C'est que j'anime un podcast sur les pierres semi-précieuses appelé Let's Rock. Tu sais quelque chose sur la statue de la licorne ? Je ne sais pas grand-chose, mais... regardez ce qui se passe quand la lumière touche l'angle. Ça fait un arc-en-ciel. C'est trop magique. Oh, c'est comme le dessin sur le plan. Tu nous sauves la vie. J'adore les gens impliqués comme toi. Fais-moi savoir s'il te faut autre chose ou si tu veux qu'on discute de cette pierre sous-estimée, la turquoise. Mais ça nous mène nulle part. Il nous faut un meilleur éclairage. Genre... oh, le soleil! Le soleil passe à travers la vitre à midi quand il est haut dans le ciel. C'est trop cool! Trop cool! Et il sera midi dans exactement... maintenant! Et là, c'est... oh... une pièce, tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a un blason sur la porte. Ça mène peut-être quelque part? Sur une pièce secrète, ou peut-être un passage secret et mystérieux, ou alors c'est un... un sèche-cheveux? C'est comme quand on était petite et qu'on s'écrivait des messages à l'encre invisible. Oh yes! La chaleur rend visible l'encre invisible. Ouais! Il y avait déjà tout ça sur le papier depuis le tout début. On dirait une pièce secrète. Ouh! J'ai toujours rêvé de trouver une pièce secrète. Littéralement, j'ai un rêve récurrent à propos de ça. Étrange, pas de pièce secrète. Il y a juste plein de casiers, c'est tout. La pièce secrète est peut-être cachée derrière l'un d'eux. Regarde le plan. Il reste une énigme et c'est tout. Quelles couleurs sont toutes les couleurs ? Le blanc est toutes les couleurs. Cherche le casier blanc. Waouh !
des couleurs au lieu de chiffres? Attends, l'énigme! Toutes les couleurs viennent des couleurs primaires. Rouge, bleu et jaune. Tu peux passer devant. Et si on y allait plutôt toutes les deux ensemble? Le blason! C'est un bébé blason. C'est un pins, comme celui que Miss Wright avait sur elle. C'est exact. Félicitations, mademoiselle. Vous êtes les premières de votre classe à trouver les archives de Rainbow High. Alors, tenez. Il se déplie. Glam est inscrit à l'intérieur du blason de Rainbow High. Ça veut dire quoi? Tu comprends? On est dans les archives, c'est bien ça? On va trouver. D'un point de vue historique, l'extérieur du blason représente le savoir-faire de chaque élève de Rainbow High. Mais à Rainbow High, il y a toujours plus à voir que ce que les yeux peuvent voir. Tout le monde ici à Rainbow High transcende en art ce que l'on peut voir de l'extérieur. Mais pour avoir l'honneur de représenter le blason de Rainbow High, on doit porter les valeurs du glam à l'intérieur de soi. Il y a une récompense dans la salle des archives de Rainbow High. Mais où se trouvent les archives? Quelle est la récompense? Voici un point de départ. Trouvez le plan que chaque élève a reçu. Génial, ton article sur le blason t'a assuré, Violette. Nous avons toutes le livret du règlement, mais la plupart d'entre nous n'a fait qu'y jeter un œil, c'est tout. Merci. Je n'aurais pas réussi sans mes amis. Le travail d'équipe est important pour faire un bon travail de journaliste. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux écrire pour la scène? Ben, ça risque peut-être d'interférer avec mon blog La Vie de Violette, mais... Oui!